Di diab bonjour, la manjou, pa di l bonjour, la manjou. Nan moman ap pale a, conseil présidentiel transition, yo ap utilize l'autre tactique, l'autre stratégie pou yo krasé plat gouvernement nan Megari Konin et vina moun pa yo pou pran la relève. Premier ministre Gari Konin li pale. Premier ministre qui pat kache frustration li profite dénoncer campagne kap mené kont li non seulement pour attaquer mais pour déstabiliser gouvernement la mené. Et qui est acteur, qui est groupe moun qui a commandité action sa yo, kap commandité zak si la yo, pa gen ni 2, pa gen ni 3 que conseil présidentiel transition. Compatriote Aïssé Frèchem, Gari Konin, li met tout kol de yo. Pa gen paret ti point tête encore, li met tout kol de yo, li longe tout grifli pour le défendre gouvernement, pour le défendre ministre yo. Ou pral gagner tout détail yo nan bout ti mamite, puisque ayem a di yo, conseil présidentiel qui te convoqué premier ministre, eh bien Gari Konin li choisi boude invitation ou pral konnen pour qui raison. Nan pays États-Unis, ayem an 15 novembre nan, c'était élection. Nouvelle qui tombait, Donald Trump li réélu pour une deuxième fois comme 47e président américain. Nouvelle ça li lage gros tête chargée nan communauté haïtienne. Principalement nan état Floride, yote ka constate sou visage en pile haïtien désespoir, la peine, mauvaise nouvelle, mauvais la vie suite à réélection Donald Trump. Bien rapide sans perdre de temps, nous gagnons Leslie Voltaire qui nan tête CPTA qui adresse à nouveau président américain qui mande Donald Trump en pile gros bout de tonton bagay pour pays d'Haïti. Qui ça Leslie Voltaire mande Donald Trump et question en pile moun a posé comment administration Trump là comment pral envisager cohabiter avec conseil présidentiel transition. C'est autant de formations nous pral gagner pour nous partager ensemble avec une émission pour aujourd'hui. Nous gagner dossier République dominicaine côté ministre intérieur dominicain Farid Raffoul, li rentré dans 5m50 ministre Dominique Dupuis dans question déportation ou pral connait exactement qui ça bagaille. Ou même qui fait tomber ce channel là pas hésiter à abonner. Activez petit cloche de notification comme ça vous prêté connecté avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a bien pour nous poster puisque c'est toujours un plaisir pour nous brasser l'idée pour nous porter information yo pour vous. N'a commencé avec victoire Donald Trump dans pays États-Unis suite à élection. Nous connaît et depuis plusieurs mois là Donald Trump li te en campagne, Donald Trump li ta mené bataille politique li et pour te ka rive remporter élection yo pour te ka brigé un deuxième mandat. Donald Trump pendant campagne li persécuté communauté haïtienne nan en pile. Petit Donald Trump li traité haïtien de nation qui pi saute sous la terre béni. Nan Ohio nous tout te konnen scandale la Perez qui te rive installé dans communauté si la côté que haïtien yo te subi en pile discrimination. Nan Ohio depuis on moun pa wè chien li pa wè chat li di haïtien manje l bay sa li te causé en pile panique. Et finalement nan élection qui organisé hier yo Kamala Harris avec Donald Trump, eh bien Donald Trump li remporté la mayol. Eh bien, nouvelle victoire ça de républicain yo vraiment poté en pile cœur sauté. Yo poté gros cœur sauté la caille en pile haïtien surtout et nous t'a parlé ça hier et compatriote nou yo qui rentré dans cadre programme Biden non moun ti piès puisque républicain yo et principalement Donald Trump lui-même li son moun qui très strict sous question immigration. Depuis la campagne, il te gen tan di, mais qui sa le bral fè 1, 2, 3, 4 nan question immigration. Comment Donald Trump li fè rive réélu nan pays États-Unis alors que
Donald Trump li te gen demele avec la justice, yo t'a poursuivre Donald Trump pour plusieurs chefs d'accusation, Donald Trump te gen accusation criminelle sous dol, Donald Trump te gen plusieurs dossiers et dans tribunal dans pays États-Unis, mais nous remarquons ça pas empêché que yo retenu candidature Donald Trump. Donald Trump fait plusieurs mois campagne. Donald Trump a l'élection et Donald Trump l'arrivé élu 47e président américain. Gen pile question qu'a posé, gen moun qui a suivi de très près ça qu'a passé, qui a posé cette question, qui a demandé mais comment ça se fait au pays tant qu'aux États-Unis qui toujours dit yo c'est pas par démocratie, qui toujours a demandé l'autre pays respecter règles, jouer respecter principes etc. Comment Donald Trump li fait gagner gros charge sous doli devant la justice et ça pas empêché le président inculpé pour chef d'accusation criminelle. Est-ce que kounye a peuple américain t'a supposé et avaliser t'a supposé quoi dans li pour voter pour jusqu'à ce que yo réélu encore? C'est la grande question. Donc hier yon l'autre fois encore Donald Trump fait un bagage que peut-être en pile moun pas même espérer en pile monde pas même imaginer. Et d'ailleurs, j'ai l'impression même Kamala Harris pas même penser ça. Parce que Donald Trump non seulement il remporte vote populaire yo, il bat Kamala Harris dans vote populaire yo, mais tout il remporte grand électeur yo. À la surprise générale, Donald Trump il font radmarer dans pays États-Unis. Mais qu'on y a victoire Donald Trump là, reste monde là regarder, reste monde là suivre, reste monde là yo a suivre ça qui a passé et qui conséquence changement de paradigme ça après gagner sous politique extérieure l'autre pays sous politique la caille l'autre pays la caille l'autre dirigeant et sous base nous gagner en pile chef d'état gouvernement l'autre pays qui pas prend temps pour réagir sous victoire Donald Trump là. Et parmi eux nous gagner président Voltaire, oui président CPT qui lui-même tout li adresse à Donald Trump, gen plusieurs bagay que li mande nou pral genyen pour nous discuter sou yo ensemble, pour nous parler sou ça. Nou genyen président pays Turki an et Recep Tayyip Erdogan qui li même li parle. Ki sa l di? Nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et que les crises et les guerres régionales et mondiales prendront fin. Ça veut dire, si nous avons bien compris, dans l'intervention du président turquien, il y a un pays qui a même senti fatigué avec Jean politique, Jean administration Biden, il y a même rentré tête baissée dans la question de guerre régionale, dans la question de bataille pays à pays. Nous, elle Ukraine avec Russie, nouvelle Israël Palestine, nouvelle problème qui gagne entre la Chine avec Taïwan, tout ça qui est ce qui derrière États-Unis. C'est comme si yo dou démocrate yo plus et yo plus partisan conflit, yo plus là pour conflit, et bien avec Donald Trump pral bon changement de paradigme, peut-être plus ou moins la paix a rétabli. Nous gagnons chef gouvernement italien Giorgia Meloni qui lui-même lui dit l'Italie et les États-Unis sont des nations sœurs, liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. C'est un lien stratégique que nous renforcerons davantage encore. Nous avons un chancelier allemand, Olaf Scholz, qui lui-même l'a déclaré. L'Allemagne et les États-Unis collaborent depuis longtemps avec succès pour promouvoir la prospérité et la liberté des deux côtés de l'Atlantique. Nous continuerons à le faire. Nous gagnons Premier ministre britannique là, Keir Starmer, qui lui-même lui déclaré en tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise. Nous avons Volodymyr Zelensky. Ha. Depuis avant Donald Trump, lui-même, il a monté, il a dit question de guerre qui est entre l'Ukraine et la Russie, il faut que les gens campent. Volodymyr Zelensky, il connaît. États-Unis, administration Biden,
c'est un pays qui te kembel en pile, supporte en pile, nan cherche l'argent pour faire la guerre, nan bayo zam, nan bayo missile, etc. Volodymyr Zelensky gonjan le pou lop sou Donald Trump la, la pese karese Donald Trump. An nou gade ensemble ki sa l'di. J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche, la paix par la force dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. Parce que Donald Trump lui-même était clair, c'est la paix par la force. États-Unis pral gagner yon effet dissuasif pour dissuader l'autre moun attaquer allié etc etc. Eh bien, et Volodymyr Zelensky président Ukraine li reprend exactement ça Donald Trump te dit. Et il fait Donald Trump comprendre que c'est exactement principe ça, après ça que Ukraine voulait lui-même appliquer. Nous gagnons premier ministre Israël là et Benyamin Netanyahu qui lui-même lui fait qu'on est déclaré. Votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Et pas bon la caille pas nous, nous gagnons Leslie Voltaire, la présidence, qui félicitait Donald Trump. Félicitations au président élu, Donald Trump. Puis cette élection renforcer les liens entre Haïti et les États-Unis et ouvrir la voie à une coopération économique ambitieuse. Nous attendons avec intérêt de collaborer pour promouvoir la paix et la sécurité en Haïti. Là, nous gagnons au final et déclaration Leslie Voltaire. Il y a plus de monde qui a fait commentaire, il y a plus de monde qui dit bon, dans quelle qualité Leslie Voltaire a adressé la Donald Trump? Est-ce que Leslie Voltaire l'a parlé de homologue à homologue? Parce que nous avons tellement besoin de blaser Leslie Voltaire. Il n'y a pas considéré le comme rien comme un simple coordonnateur qui va gagner toute liberté ça pour t'a parler dans notre pays d'Haïti. Mais malheureusement, li al nan Nations Unies, li parler dans notre Haïti, li aller dans Colombie, li parler dans notre Haïti. Tout côté le passé, le parler dans notre Haïti encore aujourd'hui, le parler dans notre Haïti alors que peuple haïtien, yo peuple haïtien pas avalisé, yo pas metel, yo pas de voter pour yo pas reconnaître etc etc. Cependant, et Conseil présidentiel transition, même là, nous avons toujours parlé de légitimité, mais internationale là. Tendez bien, oui, il n'y a pas de légitimité populaire, mais on reconnaissance internationale. Et c'est ça qui est grave là. Parce que nous avons un international complice, nous avons les États-Unis qui souvent complice de tout ce qu'a pris en Haïti comme décision politique. Et dans les 4 dernières années qui passent là, l'administration Biden là, yo te campé red derrière et question politique qu'a fait en Haïti des acteurs politiques yo des dirigeants politiques yo qui remettent qui pone ça nous gen là sorti dans assassinat président Jovenel Moïse rivé dans deuxième transition et bien États-Unis autant complice que tout reste l'autre pays dans international qui a supporté transition qui gen là journée jodi. Nous prenons le temps de, ensemble avec moi, comment la situation lui-même li a évolué dans la communauté haïtienne dans le pays États-Unis après nouvelle qui tombait sous réélection et sous réélection Donald Trump. Il y a des gens dans l'État Floride depuis hier soir. Et c'est si comprimé après, tête fait mal. Mauvaise nouvelle li rive. Et sous yo, yo considéré comme une mauvaise nouvelle. Nous prenons le temps de, ensemble avec moi, tout détail, toute explication qu'a baille suite avec réélection Donald Trump. On nous attendait ensemble avec. Pendant depuis hier soir et côté Miami ici en Floride, c'était un tradition état qui mouri. Et où tu senti tristesse là et dans figi mounio, moi j'ai participé dans deux chaire les watch for the boy ici à côté mounio. Soit aller dans un restaurant ou bien dans un espace côté plusieurs amis réunis et gros écran mettez pour suivre le résultat. Depuis là, je me suis senti une déception, une tristesse, mais tout gagne un pile peur bon côté communauté haïtienne. Donc matin, d'accord, son États-Unis qui levait avec
y a une bonne quantité la donne ou bien une bonne quantité citoyen qui n'a pas dire que doit être sous bouche. Il y a des gens qui t'attendent ça qui arrive à là, ou t'es sorti le privé. Il y a des gens qui peut-être jusqu'à hier soir bientôt t'es pensé t'es qu'à bon bagage qui fait ou bon bagage qui t'es qu'à chavirer. Ça aurait les dans l'engagé footballistique là t'es qu'à bon remontada jusqu'à hier soir bientôt, mais ça qui pas arrivé fait parce que nous gagnons en mémoire nous élection Joe Biden en 2020 et Trump t'a balayé le conseil et d'ailleurs Joe Biden t'est remonté donc fanatique démocratique t'es pensé qu'on va y consacrer t'as pas le fait ben et c'était différent et c'est ça qui fait que matin là surtout la communauté qui gagne haïtien ou capable de s'attirer froideur gagne en tristesse mais tout grand pile inquiétude surtout par rapport avec Mounio qui vit d'ailleurs qui fait vivre dans pays à fin de programme Biden dans CDP1, mon ici a même qui vient de CPS a posé des questions. Qui s'est passé après, puisque nous connaissons déjà Donald Trump qui, selon projection, est élu 47e président des États-Unis, de menacer d'abord pour camper le programme Biden, puis avec le programme CDP1, mais tout camper CPS. Donc, État Floride, que tu as parlé là, c'est Donald Trump, républicain, qui remporte elle. Et effectivement, c'est Radmarie. Et le Florida gagne, ou bien la République gagne Florida, ce n'est pas une nouvelle, parce que déjà, Florida, c'est un État qui rouge. C'est un État qui gagne une réputation proche républicaine. En plus, le monde qui connaît que Donald Trump a gagné, mais il peut-être pas pensé que l'État a gagné dans le niveau ça. Par exemple, Indiana, tout, et si je regarde dans le cadre là qui est devant nous là, Florida, Trump gagne la 56,1%. Pas oublier, Florida, c'est vrai que par rapport à l'autre state, en termes démographiques, il n'est pas gros, mais il y a pile grand électeur. Par exemple, Florida gagne 30 grands électeurs. Donc, l'autre gagne Florida et ou automatiquement gagne grand électeur. Donc, Kamala Harris fait 43%. Dans notre fait 56,1%. Dans l'Indiana, nous connaissons les pile haïtien. Nous remarquons que nous regardons rapidement combien dans notre choix lui-même lui fait dans l'Indiana. Il fait 59,1%. Kamala Harris fait 39,2%. Et dans l'Indiana, nous avons rappelé 11 grands électeurs. Donc, ça qui vient de faire que le résultat a basculé, c'est un ensemble d'états clés que les démocrates ont gagné espoir sur eux à la dernière minute. Donald Trump gagne tout. Nous avons cité dernier que Donald Trump prend la bonheur vers 4-5 heures du matin, c'est Wisconsin. Et avant ça, Pennsylvanie, que démocratie était vraiment misée sous lui. Donald Trump prend hier soir. Nous avons pris par exemple l'État Georgie, gagne North Carolina. Ça a une série d'états clés, non seulement en termes de population, mais en termes de grands électeurs. Donc, tout hier soir, Donald Trump était à 230 grands électeurs. Kamala t'a monté de temps en temps et t'es misé sous 2 à 3 états clés. Si toutefois Kamala t'a bon, là-dedans, il t'a remonté rapidement. Il t'est même arrivé dans le niveau 210, si je ne me trompe pas, et pendant que Donald Trump était dans 232, 234, comme ça. Donc, Donald Trump finit à 277 votes grands électeurs. Il dépassait le niveau, ou bien quantité pour t'a fait, qui c'est 270. Mm-hmm. Kamala Harris même lui sorti à 224 grands électeurs. Alors, il y a une chose pour nous connaître là, c'est que son victoire qui est extrêmement large, puisque dans notre champ, d'abord, il gagne vote populaire yo, et il gagne vote grand électeur. Des fois, l'organe tous les deux ensemble, c'est vraiment un raz-de-marée, son gros victoire. Mais en plus, les républicains ont gagné une majorité dans le Sénat. Donc, dans le Sénat, dans le résultat. Yo. Donc, juste imaginez, Trump gagne une victoire, ça, il gagne contrôle Sénat, il gagne majorité Sénat. Et on a route pour gagner la Chambre des députés à Chaoué, à House. Là. Pour vous dire là, il gagne plus que 50% dans le Sénat. Majorité, il y a 52, d'après ça, Washington Post a posté live. Pour Chambre députée, il y a besoin de 218 pour y avoir majorité. Actuellement, il y a 197. Mais démocrates, il y a 177. Donc, vous avez dit, Donald Trump sur route 1 pour le fond victoire historique dans le vote populaire et vote grand électeur. Mais tout,
victoire historique parce que son président prend le contrôle et Sénat et Chambre députée. Hmm. Qui dit le contrôle Sénat et Chambre députée, il dit qu'il a passé loi, il a proposé, etc., etc. Tout ça qu'elle voulait faire en termes de cadre légal, elle a gagné des outils pour le faire. Ça. Donc, dans notre palais hier, il a adressé avec partisan Lyon. Sur les dix son victoire que yo pas pensé, il dit ça nous te prévoit nous faire, il dit que l'ipcal fait et États-Unis vient grand quand même Jean lui dit le slogan la make America great again, il dit que il pas pral il prêche unité mais il montre que gain plus monde qui pas souhaiter que là, il dit que c'est population, c'est le monde qui remet le qui mettait là et il salue tout le monde qui était travaillé pendant la campagne. Il y a un discours qu'il était dans la base de West Palm Beach à côté de madame Lee, vice-président Jerry Vance et puis toute famille et monde qui a dans le cabinet qui était sous-stédé ensemble avec Kamala Harris pas parlé hier soir et co-président campagne qui c'est Cédric Richemont, il était venu prendre la parole devant une foule qui était déjà triste. Et côté monsieur a annoncé que Kamala pas capable parler à soi, elle a parlé demain, il dit qu'il y a un vote qui suppose de continuer à compter. Donc il aurait été là, il a attendu, mais Kamala pourquoi parler, il t'a supposé de parler, je vous dis. Automatiquement, monsieur Fin dit ça, monsieur, on est déplacé, espace la ville vide. Pas de cadre la guerre à terre et puis une photo faite pour montrer l'espace la vie. Mounio fonce, mounio viré, monsieur. C'était comme si on niche fourmi et puis on tout viré, les monsieur fin annonce ces nouvelles. Donc c'est la tristesse de Kamala et contentement de la républicaine. Et voilà, nous s'attendons et tout détail qui t'a baillé sur victoire Donald Trump sur l'élection qui t'a faite dans le pays États-Unis hier 5 novembre. Et est-ce que nous prêtons attention avec ça qui est écrit pendant toute période campagne Donald Trump là, avec texte et véhiculé avec ça y a partagé et comme slogan pendant toute campagne là. Tant qu'on a regardé là, Trump will fix it. C'est comme si pour Donald Trump, pour l'équipe républicaine yo, États-Unis brisé, États-Unis cassé, que ce soit d'un point de vue économique. Bon, question immigration, pas même besoin de parler de lit. Question sociale, pas même besoin de parler de lit. Avec prix kay kap augmenté, gen kote prix kay presque doublé. Question moun ki pa ka jwenn et assistance sociale. Question immigration, pa ket moun vini. De série de Américains qui kon ap tann et assistance sociale koun y a si yo te kon jwenn $10, yo réduit la $7 ou bien $6, moun yo fâché estomaké parce que. Yo fait qu'on est que l'administration Biden, non, c'est comme si Livini l'a monté avec question ouvrir pays pour accueillir immigration sous base et programme humanitarian payroll, programme Biden, etc. Moun kap passe sous point frontalier, yo par Mexique, etc. Eh bien, gen pile Américain qui te mette dans tête yo, 4 ans Biden nan krasé un paquet de bagay États-Unis, brisé un paquet de bagay États-Unis. Et yo wè nan Donald Trump moun ka vinn fixer, ka vinn réparer dega que administration Biden nan cause. Et c'est une bagay que Donald Trump li vraiment utilisé pendant toute campagne, li question immigration, question économie et question et social avec prix kay ka augmenter, gen des séries de côté augmenter prix assurance etc. Donc américain yo même yo pas vraiment care de qui ça cap passer dans reste monde là non gen qui soucieux de questions politiques et extérieures États-Unis ap imisé etc. Mais gen américain même gen haïtien tout n'importe nation de ya ça qui beaucoup plus intéressé yo chaque fin semaine comment fin semaine yo a fini comment fin mois a fini est-ce que y a bien comme pour payer bilio est-ce que y a bien comme pour payer caillou est-ce que y a bien comme pour take care famille yo donc si yo wè pendant temps et Biden avec Harris passé ya c'est plus problème. Yo pas de stabilité économique là. Nous pensons yo t'a pral choisi continuer avec yo comme ça. Yo a coupé court, y a vini avec une nouvelle tête et c'est exactement ça qui passé avec Donald Trump. Et pendant toute campagne Donald Trump là, ti parti ça c'est lui qui vraiment intéressant. Trump will fix it. Amérique brisée, Trump lui même lui vini pour le réparer. Donc est-ce que nous
nan bataille qu'a fait yo, chaque parole gen place, chaque parole gen importance yo. Chaque discours ou bay gen un bagay que moun yo ka tire là-dedans qui pral servir puis devant. Donc jounen jodi a, ça que t'a dit que Donald Trump il t'a retourné sous scène là. Pendant tout ça nous connaît que t'es passé que t'es concerné lui. Et voilà. Bien, compatriotes haïtiens frères et sœurs, m'espère nous tirer leçon parce que la caille pas nous pral gen pour faire élection. Nous pral gen pour faire élection, gen moun assurément pral gen pour aller élection. Des séries de moun qui peut-être t'es inculpé, des séries de moun peut-être non t'as cité dans des dossiers. Qu'on y a même ça parce que États-Unis gen un tempérament fait ingérence la caille nous. Gen moun ki pral utilize même ça passé avec Donald Trump yo, Donald Trump li te inculpé mais l'pa te condamné. Donc automatiquement l'pa te condamné, gade jounen jodi an le président États-Unis qui ça ka empêche nous nous même babo ici. Suive pour nous, veille pour nous l'élection en Haïti comment c'est fait. Veille pour nous. Compatriotes haïtiens frères chèm, République Dominicaine gagné ministre intérieur dominicain Farid Raful, qui lui-même li rentré dans 5,50 m, Madame Dominique Dupuis. Et suite à une intervention Dominique Dupuis fait, eh bien, ministre intérieur, li très remonté, qui ça Madame Dominique Dupuis te dit, voilà, tu as parlé de question immigration, et puis li te déclaré, et nous saluer réduction déportation. Haïtien yo qui se fuit effort ak solidarité nous même avec allié nous yo et Haïti et aspirer à un dialogue franc et non respect avec République Dominicaine pour un partenariat côté chaque nation yo a joine avantage pa yo puisque Dominique Dupuis te déclaré que gon réduction nan quantité nan taux déportation yo. Eh bien, ministre intérieur dominicain, pas caché dit nous, li fâché, li estomaqué, li traité ministre Dominique Dupuis de menteuse et en nous garder ensemble avec moi qui ça li dit non pas si là. Politique immigration sont droit souverain que chaque état gagne. Aucun pays ni organisation internationale pas gain pouvoir pour interférer dans décision interne République Dominicaine. Nous démentis catégoriquement toute affirmation qui concernait prétendue réduction rapatriement sous demande Haïti. Déclaration ministre haïtien Affaires étrangères haïtien Madame Dominique Dupuis yo faux et li a cherché immiscel dans affaires internes République Dominicaine. République Dominicaine réaffirme engagement li pour mettre en œuvre plan rapatriement gagné. Yo a continuer ak objectif yo gagné pour yo rapatrier 10,000 migrants haïtiens sans papier chaque semaine dans plein exercice souveraineté pays nou. Protéger qui protéger par loi nationale ak constitution dominicaine. Sorti 2 octobre pour arriver 5 novembre, service migration en République Dominicaine rapatrié, déporté 60 961 migrants sans papier. Et c'est plan rapatriement qui a continué dans l'ordre et sécurité. C'est ça, ministre intérieur dominicain, Farid Raful, lui-même, li baille comme réponse avec. Poste ministre Affaires étrangères haïtien Madame Dominique Dupuis qui dit que yo constaté niveau rapatriement niveau déporté yo diminué drastiquement et yo pas fait même ça yo te kon fait avant alors que ministre intérieur dominicain dit lui même pas gè campé sa ministre haïtien dit c'est menti la baille République Dominicaine continue déporter moun yo pas campé sous plan déportation yo te gagné yo a continué sans campé donc là n'a comprendre que nous avons une situation difficile. Et journée aujourd'hui là avec réélection et Donald Trump là, Dominicain ont été compté sous ça en pile, Dominicain ont été croire dans ça en pile et journée aujourd'hui là question déportation elle va prendre l'autre dimension. Surtout avec la République Dominicaine parce que pas oublier principe immigration avec Donald Trump a l'autre vision de immigration. Si nous avons suivi pendant toute période et campagne Donald Trump, il y a un paquet de Dominicains
qui a allé dans campagne, gon paquet dominicain qui a reposté, qui a partagé et déclaration Trump yo, yo a dit yo pas qu'attendre Donald Trump vini, yo pas qu'attendre Trump vini, etc. Trump pi bon parce que Trump t'a bataille contre haïtien, yo a dit haïtien pas bon, etc. Des dominicains et journée jodi an la Trump président dominicain yo pral senti yo bon allié sûr pour yo combattre, yo pral senti yo bon support en plus parce que Donald Trump pral camper pour le goumer contre immigration illégale la kayli. Le République dominicaine a fait li, le ça, li pa mette nan tête li, li pa pral vin di tête li que pral gen l'autre pays, pral vin di, font oh, pas faire ça, font ti poser. Et le ça, yo pral prend exemple États-Unis, yo pral prend exemple l'autre pays qui soit disant dans les ses amis Haïti mais qui gen même comportement avec yo la kayli pa yo en République dominicaine. Donc, sorti ministre affaires et sorti ministre intérieur dominicain pour recadrer ministre affaires étrangères Dominique Dupuis, n'a pas comprendre très certainement, par contre, qui ça ministre Dominique Dupuis t'a cherché prouver, mais en réalité, que y a déporté 500 haïtiens jodi, alors que semaine passée, y a été déporté et 3000 déportations continuent à faire dans la nuit pour la journée. Yo continue à séparer ti moun yo de parents yo, yo continue à déporter femmes, yo continue à mettre haïtien dans cage tant kou bête. Alors que gen des séries de pays bête gen yo bay bête yo bon traitement. Donc ça yo c'est des signal clair que République Dominicaine a voyé ba Haïti et a voyé ba peuple haïtien, a voyé ba gouvernement nan moment n'a parlé a. Donc est-ce que ministre Dominique Dupuis pral li pral prendre forme col pour dire que li pral bataille pour réduire drastiquement déportation yo, rapatriement yo, ou bien est-ce que y a kembe, y a continuer kembe peuple haïtien non mythe que tout bagay et a baissé, tout bagay a passé bien alors que dominicain yo même yo prend plaisir dans humilier haïtien, yo prend plaisir dans déporter haïtien comme ça. Donc, ça reste à voir. Entre-temps, dans la question politique, là, pas rien qui change. Bataille politique qui a continué entre CPT avec Premier ministre Gary Conille. Gary Conille, il réagit. Premier ministre, il parle sous plusieurs points extrêmement importants. Et il y a un pile de monde qui a dénoncé Conille comme quoi Premier ministre, il y a un parti politique qui mette capé. Il y a une question de plusieurs millions de gouttes qui disparaissent dans le programme assainissement. Gary Conille, il y a des détails sur lui. Nous parlons en vérité qui ça a passé, qui ça est chef CSPN en perspective pour fin d'année avec la police nationale d'Haïti. On nous attendait ensemble avec mon intervention, Premier ministre Gary Conille. Pays extrêmement difficile. Vous aviez été choisi par des partis politiques, des membres du CPT qui font partie de partis politiques. Monsieur le Premier ministre, vous devriez être neutre. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous avait choisi d'ailleurs, pour être neutre. Comment comprenez-vous que dans ce pays, on parle encore, chaque jour, toujours, que vous avez un parti politique, donc vous n'êtes pas neutre. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais que vous clarifiez votre point de vue, que vous nous dites la vérité, cette vérité qu'on a parlé avec tout à l'heure, qu'on connaît maintenant. Pourquoi avoir un parti politique, monsieur le Premier ministre? Gary, merci beaucoup. Je suis bien content dans une certaine mesure qu'on commence directement là parce que moi, j'ai plusieurs côtés. Moi, je n'ai pas annoncé que je suis parti, je fais partie, que j'ai des ambitions. D'abord, accord même qui définit et qui, comme là, je dis, très très clair, de pour participer dans le gouvernement, ça, ou pas gain droit non seulement participer dans les prochaines élections, mais pas gain droit tenir aucune fonction dans le prochain gouvernement. Mm-hmm. Et ça, son bail qui est très clair, son engagement que nous prenons et son engagement que nous Kembe. Moi réunis tout staff, tout monde qui poche moi. Moi dis très clairement que si m'apprennent qu'aucun là yo activement impliqué, fondé un parti politique, yo fait pour yo dire ça et n'a pas obligé prendre distance. Une position nucléaire dès le début. Objectif nous ici c'est aider population rejoindre notre sécurité. Aider moun k'ap soufri, 700 000 moun ki déplacé yo, aider restructurer, aider supporter élection pour nous capable gon gouvernement élu le 7 février 2026 et c'est sous ça n'ap travail depuis nous rivé. Nous pa gen temps, nous pa gen intention, nous pa gen intérêt pour impliquer nous dans aucune activité de parti politique pour les prochains mois, ça pas dans tête nous, ça pas plan tête nous, ça pas l'en. Est-ce que moun bokoto qui a l'ouvert parti, qui n'a activité de parti, qui a soutenu parti politique, qui pral mettre moun nan poste pour aider parce que vous avez des ambitions personnelles?
nous faire réunion avec tout le monde qui est proche nous. Et sous ça, nous très clair. En fait, il faut me raconter au Gary qu'il y a 3 semaines, parole là, t'es tellement dans la radio que je me dis qu'on pratique les renaissances. M'obligerai les ministres de la justice là, me dit, voyez pour moi toute partie politique qui est enregistrée, qui a une renaissance là-dedans. Mm-hmm. Fort heureusement, je vais joindre qui est fondée après 2023. Mm-hmm. Donc, tout le monde qui travaille proche de moi, tout collaborateur, je compte position là-dessus. Première condition pour l'équipe, c'est que vous ne pouvez pas engager tête ou aucun parti politique direct, aucun fonction comme ça, aucune activité comme ça, qui, j'en dis là, et son prémisse, a pas l'impression que nous pas bien neutralité, nous besoin. Pour nous faciliter le secteur eux-mêmes pour y engager. Parce que nous connaissons que une histoire de manipulation des instruments de l'administration publique en faveur des partis politiques. Donc, c'est absolument important pour nous, Gary, pour nous qu'un message ça, pour nous qu'un profil ça. On va pouvoir tout que dans tout choix qu'a fait le gouvernement, dans toute nomination qu'a fait le gouvernement, nous prenons décision que c'est CPTA, c'est secteur qui eux-mêmes a joué un rôle essentiel dans l'élection. C'est ainsi que. Mais c'est où le ministre qui va ministre de l'Agriculture en parti politique? Non. Pas du tout. Qui va où? Qui va ministère? Non, du tout. Okay. Comment nous choisir? Rappelons, Gary, que le nous rentrer, nous t'entendons à CTPA, que nous avons 14 ministères, 10 là d'ailleurs, c'est eux qui choisissent. Évidemment, ils choisissent des hommes et des femmes qualifiés, dévoués. Il faut me dire ça, je suis très content de travailler avec eux, mais okay. 10 ministères, ils choisissent complètement sans moi. Et 4 l'autre chose, que les régaliens, en tant que nous t'aiguillons, c'est que m'a proposé des noms, chaque fois m'a proposé 3 noms, dans 3 noms, ils ont même encore choisi. Et ils ont choisi sur la base du fait que 3 ministères, ça y est, n'ont pas qu'à quitter instrumentalisé, donc ils choisi des personnalités qui sont. Non, mais comprends. Ça veut dire, ministère régalien que vous avez gagné, c'est vous proposez 3 mondes par ministère et c'est CPT qui choisit, ou avant, ou bien vous même choisi. Tout 3 ministères m'ont proposé non, et puis eux-mêmes ont dit il y a 9, il y a 7 votants, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, et chaque fois que vous êtes d'accord, vous avez monté. C'est ainsi que, par exemple, le ministre que je choisis, de là-dedans, pas de relation avec eux du tout. Qui est-ce là? Ministre finance, par exemple, son monde dégain. Ou pas contre ministre finance, tu te connais à très distance, nous gardons des profils. Nous sommes un monde qui a expérience avec le Fonds monétaire, qui a expérience avec la Banque mondiale, qui a aidé nous avec les partenaires techniques et financiers. Son bel profil nous propose, le CPT a approuvé. De même que le ministre des Affaires étrangères, la première fois que je rencontre, d'ailleurs, c'est Jumbal Ampliation. Troisième. Mais oui, attends un petit moment. Dominique, quand Dominique sorti, lui-même, parce que yo lié avant, mais d'abord, moi, te connais, il t'a parlé dans CPT, il était lié avec ED, etc., RED, mais qui j'en ou vingé un rapprochement avec? Est-ce que c'est un monde ou un compétence qu'il faut choisir, ou du moins c'est CPTA qui met au sous? Pour avoir travaillé pendant 22 ans dans le monde international, nous avons des idées très claires sur qui type de profil nous avons besoin comme ministre des Affaires étrangères. Et moins performance à l'UNESCO, moins ça le réaliser en très peu de temps, moins performance li titan le fait dans le CPTA sous songer avant le bail démission, mal gardé pour moi discours, posture, li amour, li pou pays, le patriotisme. Li, et me pensé que c'était un excellent profil, moins chita, moins proposé, mais première fois nous rencontrer en fait, c'est jour où je mettre l'ampliation. Ah, c'est vrai? Donc, c'est pour te dire que l'essentiel du gouvernement, et nous écrit CPTA plusieurs fois, nous encourager, choisir directeur général, jusqu'à présent, nous avons tant de nominations, parce que nous te dit que c'est Yoka Antonio sur. Nous dit au choisi délégué, nous dit au choisi vice-délégué, nous avons presque 50% de mairie qui dysfonctionnel parce que moun kite nous écrit pour nous dire au choisi. Donc, dans sa majorité, gouvernement fondé par consensus 3 avril là, par les parties prenantes du 3 avril, qui ont même constamment invité à mettre des mondes qui qualifiés et qui capables de faire travail. Gagne l'autre question, m'a abordé. Moi, nous avons mon petit temps après, moi, je vais avoir avec Darius. Bon, comme vous dites disparaître un gouvernement, comme assainissement, vous dites disparaître. Donc, non, mais pour une explication sur la question assainissement, parce que bon, comme qui baille, mais nous n'avons pas assainissement. Nous pas, ouais, c'est des, comment d'amener les magali qui font bagaille dans la rue, après ça, nous, elles disparaissent. Et puis, subitement, nous entendons, une quantité de comme qui baille. Est-ce qu'on peut expliquer nous l'histoire de l'agence? Est-ce qu'on peut débloquer? Qui est-ce qui baille? Qui explication qu'a baille CPTA? Parce que, on a baille CPTA explication, mais le peuple a lui-même le besoin d'explication dans mon jour.
Gary, là, pour rentrer dans le gouvernement, dans un moment comme ça, pour un ensemble d'urgence, évidemment, sécurité assez gros. Hein? Mm-hmm. Mais deuxièmement, tout, pour un assainissement dans le pays, côté que la population à risque, même la santé, parce qu'il y a des contraintes assez sérieuses, c'est tout à fait normal pour nous. Il y a un premier geste que nous faisons dans le budget, c'est de assurer que nous bloquons un montant significatif, non seulement parce que l'assainissement est une urgence liée, mm-hmm. mais tout, c'est ça qui permet tout bailler mon travail à terre. C'est ce qui permet tout faire l'argent circuler. Mm-hmm. Nous-mêmes, en tant que Premier ministre, nous prenons des dispositions avec le gouvernement et avec l'appui du CPT d'ailleurs, mm-hmm. pour nous allouer un budget assez significatif pour travailler ça. Mm-hmm. Et je veux dire que pas plus tard que ce dimanche, le ministre de l'Environnement qui a coordonné l'effort ça et libère un compte rendu sous côté lié, dans phase 1, sous phase 2, dans quel type de défi il y a, comment lui-même l'a dit là avec eux. Mais ça, je veux dire aujourd'hui, c'est que nous en bonne voie. Les ressources ont été allouées, le ministère en question est en train de prendre les dispositions. Non, pas le ministre. En question. Est-ce que c'est travaux publics nous balient? Est-ce que c'est environnement nous balient? Est-ce que c'est affaires sociales nous balient? Parce que le pays a besoin qu'on ait qui montant qui est alloué à deux ou trois institutions. Ça. Toujours faire attention pour pas laguer chiffres, ensuite pour pas mettre vie mon à risque dans le pays. Mais ce que je peux vous dire pour sûr, c'est que nous prenons les dispositions, gouvernement et CPT, pour nous allouer un montant significatif à ministère de l'Environnement qui gagne comme responsabilité coordonnée avec ministère des Travaux publics, ministère de l'Intérieur, une série d'activités dans le cas d'assainissement qui pour permettre, j'ai dit à l'agent, arriver à terre. Okay. Maintenant, un processus qui très souvent beaucoup trop lourd et ministre lui-même bon garantit que tout est en œuvre jeudi à pour que mon lieu commence à se sentir effectivement. D'accord. Maintenant nous allons aborder question sécurité. Aborder question sécurité. Il y a une mission essentielle ou bien au-delà de l'organisation des élections, faut passer d'abord par la sécurité. Mon lieu dit ou parler en pile, ou faire en pile visite, mais il y a beaucoup de résultats. Mais qui ça vous dit? Comme si toute la journée, la police a dit qu'il pourrait faire opération. Toute la journée, il a dit qu'il y a plein de cap vini. Toute la journée, la police a dit qu'il n'y a pas de moyens. Toute la journée, ou même on dit qu'il y a moyen cap vini. Bon, pas jamais un monde sérieux que arrêté. Donc, qui signal n'a pas voué son signal de parler, ou du moins, il y a des difficultés énormes. Expliquer à la population qui sort comme problème, parce que y a tant de parler en pile de sécurité. Mais jodi a, pour le pays, monsieur le Premier ministre, dites-nous la vérité sur la question de sécurité. Gary, fondamental. Et je veux dire que moi-même, à toute équipe là, c'est une question qui prend plus de temps, qui consomme plus d'attention, plus d'énergie, plus de ressources, parce que nous connaissons que l'essentiel pour le pays. Et à la vérité, nous comprenons très très bien que nous avons 700 000 déplacés, nous avons des gens qui ne sont pas à la caillou, nous avons des gens qui vivent dans la PEUS, nous avons des bandits qui contrôlent 80% de la zone métropolitaine, nous avons 110 personnes, et je profite de saluer un mémoire qui a assassiné l'autre jour pour se rendre. Nouvelle là, nous avons des radios, nous avons des attaques qui ont fait Solino, nous avons des attaques, nous comprenons que nous avons impatience, nous comprenons que nous avons une frustration qui est légitime, et moi, je me bats là, je dis à pour me faire une excuse parce que tu l'as si bien dit. Nous avons obtenu résultat. Évidemment, résultat, ça a fait le bail dans le contexte. Mm-hmm. Dans le contexte, côté nous hériter, que le nous arriver, nous joindre que situation sécuritaire là, t'es déjà avant nous largement sous-estimée, à la fois par les nationaux et par les internationaux. Nombre de bras que nous te prévoir pour venir aider nous, supporter nous, t'es nettement insuffisant. Mm-hmm. Capacité police, nous, alors, mais nous, t'es nettement insuffisant, tant en termes de nombre qu'en termes d'équipement et en termes de formation. Ça veut dire, l'arrivée ou joindre une police qui va avoir capacité pour répondre. Joindre une police qui va répondre à niveau de crise, ça, mm-hmm. absolument, tant en termes d'équipement, mm-hmm. tant en termes de capacité, tant en termes de chiffres. Gary, vous permettez de me rappeler mm-hmm. que le très important, Salvador, il y a 300 polices par 100 000 habitants, plus 4 200 militaires pour moitié population, mm-hmm. pour le faire face avec situation de sécurité par lui. Gary, ça prend 2 ans pour y avoir des avancées significatives. Mm-hmm. Jamaïque, ça prend 10 ans avec 3 fois plus de polices par habitant et l'armée. Que nous-mêmes. On va rappeler que Haïti t'a gagné en mille tout. Si nous avons gagné l'autre jour, là, par contre, soit suivre, monsieur, on va suivre. Salvador a fait une opération contre gang. Mm-hmm. Il voyait 500 polices, 2500 militaires. Militaire, ouais. Donc, il n'y a pas de doute, je dis, et tout le monde reconnaît, lui, il y a une composante de l'insécurité qui réclamait une capacité militaire. Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Et c'est l'INAP fortifié là. Donc, ça me dit par là, c'est qui sont tellement promis?
qui ça l'on fait constat ça qui sont fait de l'arrivée à Jodia qui sont fait première démarche là c'était constater avec les partenaires que toute estimation était faite de situation de sécurité était insuffisant nous besoin l'autre type d'équipement nous besoin beaucoup plus d'appui nous besoin des matériels plus sophistiqués et nous besoin des formations pour police nous qui passe à Yotabay jusqu'à présent parce que n'a fait face à un ennemi qui gagne l'autre capacité l'autre atout donc nous voyager ou à songer ça tout le monde dit nous pas doué mais nous courir dit partenaires nous que j'en nous planifie appui j'en a planifié bon moi non c'est pas ça me besoin et ça a fait son chemin. Deuxième bail nous fait, c'est que nous garder pour nous, avec ressources nous gagnons en attendant que nous obtenons, avec ressources nous gagnons comment nous améliorer la capacité pas nous pour nous défendre tête nous. Donc c'est comme ça nous prenons des mesures immédiates pour nous bailler la police que nous gagnons, capacité pour nous défendre. Et Gary, je dis, ah, la police est active sous 13-14 fronts différents. Police, je dis, ah, octobre, novembre, non. C'est pas police nous gagnons en juillet. C'est pas police nous voulait gagner parce que n'a travaillé avec toujours il y a renforcé il y a balle les moyens il y a balle formation il y a augmenté nombre d'unités nous gagnons 700 là qu'a prend formation au mois de juillet nous avons 500 sorties dans force spécialisée n'a travaillé pour nous renforcer l'armée nous créer des opérations conjointes entre militaires et la police et c'est ça qui permet nous aujourd'hui n'a résisté sous 13-14 fronts différents et en même temps la police a répondu à l'alerte la police nationale a montré le présent l'obligé à réagir et évidemment dans la mesure de ses moyens mais comme dit avec un nombre avec un chiffre qui peut qu'au sale pour nous gagner une bataille là. Parce que l'objectif là, ce n'est pas pour me prendre tête ou pour me prendre deux têtes, c'est pour nous gagner une bataille là. C'est pour tout haïtien qui a la caillou, c'est pour Goucho l'ouvrir. Vous êtes en devant, vous faites ça? Et pour se faire, c'est qu'on est en bonne voie d'avoir les ressources et les capacités que nous besoin pour nous capables d'approcher la question sécurité avec détermination et de manière définitive. C'est pour mettre ça que nous fait peuple haïtien. Est-ce que, Premier ministre, c'est à cause de constat ça qui fait et gagner parole et mercenaires au Cap-Paléa, ça veut dire pour renforcer la police pour faire opération. Ben, nos vérités dans ce question mercenaire, parce que c'est PTA très, très inquiète, donc tu es invité. Donc, dis-nous, question mercenaire là, ça lié. Parce qu'on est mercenaire, tu es président déjà. Donc, il y a des grandes difficultés dans le pays. Mercenaire est venu tout pendant, tu as un problème, et qu'est-ce qu'on fait? Bonjour Naboul. Donc depuis les mercenaires et sous Jean-Henri Séan, Gombarol, mercenaire qui t'es parlé, était un gros problème sous Jean-Henri Séan. Je dis à mercenaires encore, quelle est la vérité sur cette question de mercenaires qui sont en Haïti? Gary, m'entendez ça est vraiment pas une question mercenaire. Mais ça me cadre, c'est que m'a utilisé tout moyen que m'gain en même. Tout moyen que la loi ban moi. Tout moyen qui est à l'intérieur de la légalité. Pour que police nationale d'Haïti, police peuple haïtien, ait les moyens qu'il faut pour le pape du Solino, pour le défendre en caille, pour le protéger Ponsonde, pour l'intervenu Grissier, pour continuer à protéger la population. Mais pas avec les mercenaires. Absolument. Tous les instruments légaux, la loi, moi, m'a utilisé en tant que chef CSPN. Rappelons que responsabilité, pas moi en tant que premier ministre, c'est de assurer que le policier a fait un constat, le DG police a fait un constat, que il a besoin de tel type d'appui pour le capable de faire travail. Il vient joindre nous, la CSPN, il dit nous. Mais ça nous besoin pour nous capables d'opérer. Responsabilité PAM, c'est assurer que la police la joigne. C'est comme ça le fonctionner à l'intérieur de CSP. Et l'engagement que nous avons, c'est ça. Par contre, Mabdou, conseil de bail qui n'est pas traité dans la rue et qui n'est pas traité dans la rue. Conseil de bail qui doit hériter des secrets d'État. Est-ce qu'on parle avec l'ex-CPTO sur la question ça? Nous avons très 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 bonne réunion avant-hier avec CTPA. Sur cette question. Nous élaborer en plus de détails comment nous voyons stratégie sécurité à côté CSPN pour aller, qui disposition cap prend pour renforcer capacité pas nous pour nous capables d'agir. Et moi-même, j'étais très satisfait. Est-ce que vous-même, vous comprenez dynamique, explication, bah, sur question nationale? M'espérez ça, Gary, m'espérez ça. Parce que même pour moi, position, c'est toujours particulièrement avec le président Voltaire, c'est Chita Avel, c'est Consamde et tout avec le président Leblanc, c'est Chita Avel, discuter avec elle, présenter les questions, les problèmes, les solutions, les prendre feedback et puis avancer. Et voilà, nous attendons Premier ministre Gary Conny qui t'a baillé tout détail, qui t'a fait le point par rapport avec divers dossiers extrêmement importants pour le parler à pays. Mais Gomba qui a attiré attention et m'a dit nous si Gomba gars il pirait, si Gomba gars il détestait,
Selon m'a regardé dirigeant pas bon ici, politicien pas bon ici. Je n'ai yo à l'aise yo confortable pour y demander dans situation pays ay là, mais état pays ay là pour y demander haïtien pour un petit patience pour yo toujours. Et c'est là m'bra le comprendre proverbe ça qui dit wash nan blou pas jambe kon douleur wash nan soleil là non. Nèg yo, yo gen pouvoir yo nan men yo, yo gen privilège yo nan men yo. Yo gen sécurité yo, yo dormi à l'aise, yo manger à l'aise, yo fait ça yo vle jan hôpital, aux frais de la République. Yo pa gen pou yo tracasser tête yo pour kon kote comme fin semaine n'ap sorti, kote comme fin mois ap sorti parce que n'ap paye yo pour service non rendu. Et malgré la situation compliquée, malgré les bagages, yo senti du là. Et puis pour Premier ministre Gary Conille, il est venu. Pour PM non venu, il pas que j'aime ka comprendre nécessité qui gagne journée jodi an là pour accélérer processus qui gagne là pour bailler population yo aller mieux pour bailler population on souffre et puis c'est patience qui vient demander. C'est patience qui vient dire nous prend pour lui toujours pendant que bandi a touyé, bandi a kidnappé, mon a courir quitter caillou, Premier ministre confortable dans primature, Premier ministre pas gain pour l'inquiéter de rien et puis la demander malheureux malheureux pour patience pour yo. Prends patience pour yo, prends patience pour gouvernement. Alors que qui ça empêche gouvernement ba résultat? Qui ça empêche nèg yo ba résultat? Yo gen caisse l'état nan men yo, yo gen toute liberté nan men yo. Au lieu yo entendre yo pour résoudre ça gen là comme situation difficile, nous yo continue à bataille pour pouvoir et puis n'a mande peuple à prend patience, n'a mande malheureux malheureuse pour patience. Patience pour qui ça? Kounia, nous même k'ap tande là, nous pas ta nerver. Nous pas ta frustré. Nous pas ta frustré, nous pas ta nerver. Le nou gon pays, c'est comme ça, mouche l'État. Maintenant, c'est comme ça, dirigeant, vous voulez faire pays en tourné. On savon, côté que tout le monde à l'aise pour voler, tout le monde à l'aise pour faire l'argent, tout le monde à l'aise pour détourner, faire corruption. Mais quand il s'agit pour bailler la population au minimum, c'est prendre patience, c'est dans le redit, c'est dans le coup de bec. En tout cas, nous sommes des premiers ministres qui parlait. Et d'autant nous pas prendre responsabilité nous, il certain que pas grand rien cap changer. Il certain que pas grand rien cap changer. Bien, nous pas fini émission hein, mais bien avant nous gagnons l'autre intervention extrêmement intéressant. Nous gagnons ancien député Keskoflan et Alfredo Antoine qui lui-même il t'a parlé, t'a bail point de vue sur réélection Donald Trump là, mais bon bail qui est important. C'est là il rentré dans relation équipe démocrate rien avec mercenaires oligarques pas boycite qui souvent gagne gros conséquences sur stabilité pays et avec changement ça qui fait dans administration américaine d'ici janvier 2025 les Donald Trump investi de fonction est-ce que véritablement pral gagne gros changement dans politique intérieure en Haïti dans politique interne dans pays d'Haïti nous pral tande dans boti mamite tout détail que Alfredo Antoine ni même ni a bail et puis après n'a continuer émission nous tenir ensemble suivre hier soir avec intérêt élection ça tout déroulement pour qui ça par rapport avec politique extérieure et américaine avec pays non surtout en Haïti que m'pral un peu très précis et que nous connaît qui poids que les Clinton représenté en Haïti, son pays au prend pour yo, que deux groupes économiques qui liés avec les Clinton, c'est yo qui kebe Haïti en bas l'obédience, c'est yo qui a dirigé Haïti. Donc nous pas jamais des dirigeants qui ont capacité vraiment qui pour mettre Haïti en premier parce que c'est Mounzaio, c'est groupe d'intérêt économique qui liés avec démocrates, surtout les Clinton qui toujours a influencé politique nationale, politique pays. Nous. Donc ça, moi j'étais vraiment apprécié et moi vraiment content que c'est Donald Trump qui est élu parce que Donald Trump c'est pays living way d'abord, America. Il va venir que alpier l'autre pays, raser l'autre pays, m'pas quoi ça dans politique Donald Trump. Donc question que Haïti et en vêture, voilà, donc on prend un régime de sanctions que on prend contre des anciens officiels, contre des hommes d'affaires. La communauté internationale, li prend sanctions contre yon pigou banquier que nous avons en Haïti. C'est le système économique pays nous, le besoin effondré.
Est-ce que résultat ça, ou sanction que vous prenez, qui ça vous fait? Bon monde plus pas qu'à marcher, bandit ou vingé plus territoire que y a pris. Donc, régime sanction que vous prenez, c'est pour régler propre affaire pays par yo, intérêt par yo, intérêt de groupe économique qui ont besoin, mais c'est pas pour résoudre problème Haïti. Donc, c'est institution par nous, c'est la justice que nous devons renforcer. Institution démocratique, yo, ULCC, la Cour des comptes, qui doit qu'on ait servi l'État, l'État gérer l'argent l'État, donc faut institution ça yo auditer moun ta yo pour bail de rapport et pour la justice, si gen cas pour la justice poursuivre pour poursuivre yo. Mais c'est pas international qui a bien dit nous qui est-ce qui démon et la presse surtout toujours bail en gros au grande couverture avec de médias avec de décisions que international la prend contre des citoyens haïtiens. Alors ce qu'elle prend, il va prendre pour nous, il prend pour intérêt. Yo. OK? Donc nous besoin ça. Par exemple, excusez-moi, moi pas parler de ancien premier ministre et premier ministre Ariel, un premier ministre qui est en voyage, il pas rentré jusqu'à présent. OK? Moi même j'ai des problèmes avec premier ministre sous façon que il a dirigé pays, il était m'enfoumé, mais n'empêche que il était premier ministre haïtien, premier ministre, l'État pays, ok? Donc, comment pour un pays étranger retenu, ou dit, c'est démocratie qu'on va prendre, ok? Nous montrer ça dans l'élection qui s'est faite là, qu'il y a hier, et pour retenu un premier ministre, est-ce que l'État haïtien, jusqu'à présent, et même monde qui remplace Léo, on va se féliciter, et on va se dire que M. Desormes a dit que premier président KPTA, féliciter Donald Trump, mais est-ce que vous notez que vous faites sortir? Premier ministre qui est actuel là, est-ce que vous notez pour demander qui statue premier ministre que le remplace? Est-ce que monsieur est en prison? Qui s'allie? Donc, ou pas qu'un président, un premier ministre qui dirige un pays, qui voyage, et puis on l'État, on l'autre l'État qui est belle la Kaili, sous prétexte que ou pas qu'on est. Est-ce que, pour qui ça que le va rentrer? Pour qui ça l'autre citoyen? L'autre officiel qui voyage capable de retourner dans le pays, et ancien premier ministre. Donc, Haïti, nous devons avoir des dirigeants qui ont couilles, qui connaissent que nous avons un État souverain, pas aucun étranger qui doit venir diriger le pays. Ça, un pays que nous prenons indépendance, nous, Dieu, avec le au prix du sang. Donc, il faut que nous ayons des dirigeants dans l'État qui ont capacité pour connaître que le territoire, ça, c'est pas pour et pas cadeau de faire cadeau, c'est Dessalines avec tout héros qui te bataille pour nous créer un état de droit, un état de justice, quel que soit mon nom, justiciable, mais c'est institution nationale d'abord qui doit bailler le ton. OK, on mon nous dans corruption, yo doit servir contre tout. Ou faire crime ou dans gang ou dans banditisme ou dans l'État. Ou prendre zam, ou pas limite alimenter gang, faut que la justice casse vie. Contre, OK? Donc, pour tes présidents affaires étrangères sur premier mandat Trump, qui j'en coopération Haïti avec et États-Unis, notamment administration Trump, est-ce que tu as gagné de bénéfices en matière de coopération économique que Haïti est arrivé à joindre par rapport et à influence non ou bien à collaboration par contre que nous avons ensemble avec l'administration Choplan et qui a-t-il d'espérer tout de et phase de transition ça qui là par rapport à l'administration ça qui pourra le monter et dans le mois de janvier qui va venir là. OK. Mais je vais faire un compas rapide. Pour un pays tirer profit dans la coopération, soit avec un pays étranger, n'importe quel pays étranger, c'est selon ça que le pays a lui-même. Par exemple, Haïti, c'est qui ça qui préoccupation, c'est qui ça qui agenda, c'est qui ça que l'Igérien comme objectif d'abord pour le discuter. Pas bien aucun l'État étranger qui a venu comme un bon papa pour venir développer le pays ou pour. C'est vous-même qui vous mettez de politique nationale et internationale en termes de coopération pour solliciter de coopération qui est viable, mais pas demander la charité. Tant pour moi, le premier ministre actuel,
sont faits, ils disent que nous te promettons, mais X nous te promettons. Dans le domaine sécurité, il n'y a pas pour moi de charité. Que c'est si ce trésor public là, si c'est 4-5 mois pour que haïtiens qui a travaillé, le fonctionnaire haïtien a travaillé, ça qui a un salaire qui est au-dessus de 40 000 gouttes. L'État haïtien est capable de prendre 3 mois dans le trésor public là, n'a divisé salaire ça en deux pour que nous financions de projets qui viables. Question sécurité, nous besoin d'hélicoptère, nous avons un salaire qui est plus que 3 milliards de gouttes dans l'administration publique là. N'a coupé en deux. Chaque mois, n'a prend 1 milliard 500 millions pour que nous disions nous allons investir dans le domaine sécurité parce que le pays a un problème de sécurité. Mais est-ce que c'est pour ces communautés internationales là qu'a vinjou l'a demandé, c'est moi doit demander. Il est pour que nous gagnons né dans figu nous pour l'état suspend l'état mendiant. OK? Pour nous faire propre investissement par nous et si nous avons l'argent qu'on y a au besoin et le monde dans l'état, le président qui est responsable et question politique extérieure pays pour nous est-ce qui marché que nous capables d'acheter des armes pour défendre le pays, pour défendre le territoire, pour défendre les citoyens, pour défendre les biens qui sont dans le pays. Donc, nous ne pouvons pas demander charité. Tout autant que ces charités n'ont pas demandé, nous ne pouvons jamais avoir l'État qui est responsable, vis-à-vis, nous toujours prendre pour l'État paria, par aucun président qui va le respecter. Nous. Okay? Mm-hmm. Donc, pour moi, nous avons la question posée. Dans qui ça que Haïti a bénéficié dans la période comme des députés ou bien sous gouvernance président monsieur Desormes ou t'es dans pays a noté ouais son cycle d'instabilité qui t'est gagné qui t'est créé OK par des groupes d'intérêt bon dans pays a et qui encouragé par une frange malsaine de ou bien malsaine de la communauté internationale qui gagne intérêt dans pays a cap di au casé écrasé pour pays ou cap financer de manifestations à plein régime tout temps et qui cause que nous arrivons là pas de jambe on l'état qui était stable ou te vive pays à monsieur Desormes pendant que député il y a seulement un an de stabilité que pays a connaît c'est un an 7 mois c'est un an président Brivère comme qui était présidence provisoire et 7 mois sous président Jovenel. Depuis nous monter gaz, nous avons un pays qui a descendu aux affaires, pas jamais de stabilité. Quel type de coopération on va demander à un pays étranger, les lacayou, en feu et en flamme? Donc, instabilité. Et c'est propre monde, c'est propre officiel qui a créé instabilité. Parlement, peuple a voté pour résoudre le problème. C'est même Parlement qui fait peuple à rentrer, vassaliser et ou bien profaner. Et Sénat, ou bien Chambre des députés, qui a crasé, qui a brisé. Alors, ce que le peuple a voté nous pour nous résoudre le problème. Laissez signal, ça, vous voyez, par aucune coopération qui est viable. Et ensuite, en termes de coopération, Haïti, Braldo, bénéficier d'une seule coopération pour moi-même. Pendant ces 30 dernières années, à quel que soit le pays, c'est la coopération haïtiano et vénézuélienne. OK, c'est seule coopération qui était viable. OK, c'est parce que nous-mêmes la caille nous fait des autres nous mal et gérer fonds ça fonds Petrocaribea qui cause que Haïti gagne pile projet de développement pas dérapé. OK, donc par aucun pour une coopération qu'un projet c'est de assistance et au donnant qui secteur que y a baoul et les abords de aide en termes de coopération pendant ces 30 dernières années. Aucune coopération, alors c'est efficace que coopération haïtiano-vénézuélienne, nous-mêmes comme médias qui avons un rôle dans la société, ok, nous c'est quatrième pouvoir, nous avons dit, mon coopération avec Haïti, c'est bien, c'est bon. Donc, les officiels haïtiens qui apprennent l'argent trésor public, qui apprennent fonds pays, qui prennent investir dans pays étranger, c'est toujours une communauté internationale, pays ça, c'est toujours là. Au contraire, ils vont recevoir comme ça avec facilité la caillou pour développer le pays. En termes de coopération, est-ce qu'il y a une entrée judiciaire qui déjà me dit, ah, mais tel ou bien département finance, dans quel que soit pays que lié, il fait de rapport avec l'État haïtien, il dit même qu'il y a tel officiel qui a fait de grands
manifestation de fonds qui a déposé dans la banque la caille et qui s'allier enquêter sur moun ça ou pas jamais faire autant l'on besoin craser pays ou a dit tel moun de c'est tel monde c'est lik malfecteur. Non, c'est institution l'état yo qui doit connaître qui est qui bon monde la caille, qui est qui pas bon monde, les nous renforcer institution nou yo. Les nous bail et la justice moyen pour que on prenne décision pour servir contre quel que soit monde là, institution démocratique yo pour mettre institution étatique de contrôle yo pour mettre de monde qui a capacité et qui a fait de rapport. Yo même c'est le ça n'a pas bon pays. OK, pas aucune coopération. D'accord. Et voilà, nous s'attendait ancien député Alfredo Antoine qui lui-même lui t'a posé problème ingérence qui gagne dans question élection et dans question politique étrangère américaine là côté que et avec administration démocrate depuis c'est démocrate qui prend et tête pays en États-Unis et bien surtout avec influence équipe Clinton non Hillary avec Bill Clinton en Haïti et bien c'est toujours instabilité c'est toujours mauvaise gouvernance et c'est toujours bagaille petit clan qui toujours réglé donc ancien député a rete quoi et avec réélection et Donald Trump qui a gagné gros changement et pour pays d'Haïti peut-être que et même bagaille peut-être que ka gagné décision politique qui changeait, ka gagné influence politique qui changeait, etc., etc. Mais ça reste à voir, puisque nous connaissons, et Jean le dit là, et d'accord avec lui, et Donald Trump lui-même, c'est America first, c'est pays l'avant, et Megon le bagay de ancien député a dit, il n'y a pas croire que Donald Trump va venir piller et petit pays etc pour pays parler. Non, c'est pas ça la question. Si c'est America first, donc tout ça qui ca aider America first, la fait. Mais cependant, il toujours fait pays le passer avant toute bagaille et avant toute l'autre nation, l'autre monde etc etc. Donc journée jodi an là, ça qui est important et tirer ça qui bon dans élection américaine yo pour nous voir que et élection faite dans pays États-Unis, m'pa wè ni Canada ni la France ni l'Espagne ni pays corps groupe vinn faire ingérence. M'pa tande États-Unis allemande et la France corps pour faire élection parce que ti principe ti adage qui dit qui finance commande là, il est applicable tout côté. Donc si nous même nous pral gè pour faire élection, nous pas décider prendre responsabilité nous, n'a toujours gagne ingérence sur pays. Si nous pas prendre responsabilité nous, l'autre pays a toujours ban dicté. Si nous pas prendre responsabilité nous, l'autre pays a toujours décidé pour nous. Eh bien, li temps pour nous lever ce qu'on fait nous, pour ne pas quitter c'est l'autre monde qui décide dans place nous, mais pour une fois pour nous décider pour tête nous. Compatriotes haïtiens frères sœurs, c'est là n'a mettez un bout dans émission pour aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous te porter information sur la pour vous. Restez connecté à channel là, rendez-vous à casser dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là, pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Les bases, c'est toujours même Yannick, même voix. Oh yeah.